Hi everyone, my name is Stephanie. Welcome to the Confidence Therapy, a lifestyle vlog where we will talk about fashion, beauty, traveling and more. So for this first video, we did an interview with Cynthia Belingo, a very beautiful woman. She is a sprinter and will represent Belgium at the Olympic Games in 2016. She is a passionate and strong personality and we really enjoyed talking to her. So hope you enjoy the interview. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Cynthia Belingo, j'ai actuellement 23 ans, je suis athlète de haut niveau et à côté de ça je suis aussi étudiante. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai deux frères, un grand et un petit, j'ai la seule fille. Tu fais quoi comme études? Donc là je suis en horaire décalé en sciences politiques à Saint-Louis. Alors tu participes cette année aux Jeux Olympiques, comment est-ce qu'on se prépare mentalement pour ce genre de compétition? Donc j'essaie vraiment de le prendre au jour le jour, de me donner au maximum durant les entraînements, durant les compétitions, pour vraiment arriver au mieux et en forme pour les Jeux. Alors, suis-tu un régime particulier? Alors, oui et non. Disons que je ne suis pas suivie par un diététicien ou un nutritionniste. Avec les années, enfin, le nombre d'années maintenant que je suis dans l'athlétisme, je sais plus ou moins ce qu'il me faut, ce qu'il ne me faut pas, ce que je dois éviter en fonction des périodes des compétitions. Alors dis-nous, est-ce que tu as un amoureux? Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans et demi. Ok. J'ai entendu dire que tu étais une passionnée de chant et que tu chantais même à la chorale. Est-ce que c'est toujours le cas? Bonne question, on ne l'a encore jamais posée, franchement. Oui, j'ai chanté à la chorale quand j'avais 14 ans, tous les dimanches, c'était très chouette d'ailleurs. À part après, j'ai dû arrêter quand j'ai commencé l'athlétisme, parce que je commençais à être de plus en plus fatiguée et c'était difficile de combiner les deux. Des fois, je dis en rigolant, mais j'aimerais bien participer à The Voice. Alors, quel style musical aimes-tu et qui sont tes artistes préférés? Alors, j'écoute vraiment de tout, mais je suis une fan de Lauryn Hill, de Whitney Houston, Michael Jackson. Alors, comment décrirais-tu ton style vestimentaire? Alors, mon style vestimentaire, ça dépend aussi des périodes. Je pense que je suis plus classique, mais classique aussi mélangé un peu avec du moderne et du hip-hop. Parlons un peu cinéma. Tu es plutôt film d'action ou comédie? Moi, je suis plus action. Oui. J'aime vraiment les films où il y a de la baston. Ouais, désolée de le dire. Alors, quelles sont les femmes qui t'inspirent au quotidien? Mon entourage, ce sera ma coach, ma maman, ma grand-mère. Quel est ton dicton préféré? C'est un dicton plus ou moins modifié, mais c'est que la différence entre l'impossible et le possible réside simplement en fonction de la détermination que la personne possède. Dis-moi, tu te vois où dans 5 ans? Alors dans 5 ans, j'aurai 28 ans. Je pense que je suis encore dans ma carrière, mais à mon avis vers la fin, parce que c'est pas éternel et puis j'aimerais bien avoir des enfants. J'espère que mon copain m'aura déjà demandé en mariage, j'espère. Donc j'espère qu'il va lire ça, qu'il va écouter ça quelque part. Hope you all had a good time and got to know our sportive a little better. See you for the next video. And don't forget, be the best.